La terre prosternée devant toi te chante. En ton nom, des cantiques s'élèvent devant ta grandeur et la beauté de ton saint lieu. La terre entière, éternel Dieu des armées, te loue. Nos âmes en ce matin s'élèvent vers toi, vers ton trône de gloire, vers ton lieu élevé, tes lieux très saints, pour t'adorer, te magnifier, te glorifier, t'honorer. Et en ce matin, nous sommes encore en communion de cœur et d'esprit dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Terre entière, proclame les hauts faits de Yahweh. Terre entière, proclame les bontés de Yahweh. Terre entière, proclame la miséricorde de Yahweh. Que nos âmes s'élèvent en unisson de cœur avec tous nos anges et tous nos saints pour glorifier le nom très saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons vu, il nous a touchés, il nous a parlé. Voilà pourquoi en ce matin, bien-aimé de Dieu, laisse ton cœur s'exclamer dans la présence de Dieu. Laisse ton âme soupirer et parler dans la présence de Dieu. Car il règne pour toujours, il règne à jamais. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Gloire. Oui, mon âme a vu l'agneau sur son trône de gloire. En le voyant, cet agneau immolé m'a touchée.
Cet agneau immolé est venu parler à mon cœur. Cet agneau immolé est venu parler à mon âme. Et en ce matin, cet agneau vient parler dans ta vie. Il vient parler dans ta famille. Il vient parler dans les aspects de ta vie. Il vient parler pour ton travail. Il vient parler pour les autres troubles de ta vie. Crois seulement. Crois seulement, c'est avec les yeux de la foi que tu le verras. C'est avec les yeux de l'espoir que tu pourras voir cet agneau immolé, cet agneau sur son trône de gloire, cet agneau qui est adoré de tous les peuples de la terre, cet agneau qui est désiré dans nos nations, cet agneau-là qui s'est donné pour toi et pour moi. C'est avec les yeux de la foi que ça se passe. C'est avec les yeux de la foi, les yeux de l'espérance. Croire sans avoir vu, voilà ce que Dieu nous demande en ce matin. Crois tout simplement que tu as vu l'agneau au travers des difficultés de ta vie, que tu as vu l'agneau au travers de ta famille, que tu as vu l'agneau au travers du prochain, au travers de cette âme-là qui vient vers toi pour te dire, mon frère, pour te dire, ma sœur, j'ai besoin de toi. Juste un sourire, juste un toucher. Et tu verras l'agneau de Dieu devant toi. Je le vois, il m'a touché. De Dieu, il est présent, il est là, il est là et il te parle, il est là et il te touche, il est là et il te visite, il est là et il te fait du bien, il est là encore pour te restaurer, il est là encore pour te guérir, il est là encore pour t'amener dans les lieux très élevés, dans les lieux très saints de sa gloire. Il est là tout simplement parce qu'il désire te faire du bien, il désire te faire du bien. Et c'est dans cet élan d'amour, cet élan d'espérance, que je te souhaite de passer une agréable et sainte journée dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.